Il y a quelques jours, à la veille des vacances scolaires, le Père Noël a décidé de faire une visite surprise à l'école élémentaire de Val d'Isère. Une visite qui lui a permis de demander aux enfants si lui avait envoyé leur lettre de commande de cadeau. J'ai rencontré le Père Noël. Il nous a amené un livre, ça se voit avec la rondelle. Oui, ça se voit. C'est la première fois que vous le rencontrez, le Père Noël ? Non. Non, je regardais la cheminée, il est descendu. J'ai pas de cheminée, mais il est passé par la fenêtre. Mais ce fut aussi et surtout l'occasion de vérifier s'ils ont été bien sages pendant l'année. Grosse tournée le 24 décembre. Moi, je ne travaille qu'un jour par an, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Alors, j'ai voulu venir ici à l'école de Val d'Isère à la demande des instituteurs et des institutrices pour leur remettre quelques cadeaux parce que j'avais entendu dire que les enfants de Val d'Isère étaient particulièrement sages. Et de fait, j'ai vu des enfants très, très sages, surtout dans les petites sections. Les petits de 7 ans, 6 ans, 7 ans sont tous très sages. Alors que dans les grandes sections, il y a quelques chenapans que j'ai repérés qui n'ont pas toujours été très sages pendant l'année. Le Père Noël a promis de passer partout pour sa grande tournée du 24 décembre, même si deux ou trois gamins espiègles ont bien essayé de lui tirer la barbe au moment où il offrait des livres et cadeaux à tous les enfants.